Bitches love the gram. Oh, wait, shit. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien et je suis heureuse de tourner cette vidéo. Bon, cette vidéo, c'est une vidéo coiffure. Je vais lisser mes cheveux avec vous. Comme vous voyez là, je suis pas coiffée, j'ai juste mis de la pommade, je suis pas coiffée. Donc aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas lisser mes cheveux, filmer et vous montrer comment je fais pour lisser mes cheveux. Et à la fin, je vais essayer de faire un carré. Quand je vais lisser, je vais essayer de faire un carré. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je ne sais vraiment pas ce que vous attendez. C'est facile, vous appuyez ici et vous vous abonnez. Et aussi, n'hésitez pas de me suivre sur mes différents réseaux, Snapchat, Instagram, si vous aimez vraiment ce que je fais. Alors, on va vite passer au sujet sérieux. Voilà, donc là j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon lisseur, ma broche chauffante, l'huile, le peigne, tout ce qu'il faut pour que j'ai un lissage au top. Bon, je sais qu'en lissant mes cheveux, je vais les niquer, hein, mais bon, ce n'est pas grave, c'est que des cheveux. Avant de les lisser, je vais pouvoir les détacher. Donc là, j'ai détaché mes cheveux, je vais mettre de l'huile pour pas les abîmer encore plus, pour éviter de les abîmer. Ah, voilà, là vous voyez, je vais mettre de l'huile, moi je mets de l'huile de coco et après je vais commencer à les lisser. Voilà les amis, moi je mets cette huile sur mes cheveux, donc ça m'aide. Depuis que je mets cette huile, franchement mes cheveux se portent très bien. Juste mettre un peu, pas trop, parce qu'après ça va devenir archi gras. Je pense que là j'en ai assez mis, c'est suffisant. Faut pas abuser aussi. Avant de commencer de lisser mes cheveux, je vais les brosser avec ma broche chauffante parce que ça va me faciliter en fait. Si je commence à lisser là, ça va être long, ça va être relou. Je vais d'abord les brosser avec ma broche chauffante. Après, je vais commencer à lisser. Je vais venir brosser pour que ça me facilite vraiment la tâche. Maintenant que j'ai fini de brosser, je vais venir lisser. Franchement, ça m'a facilité grave la vie. Ça sera plus facile maintenant de lisser. J'aurai pas trop de difficultés. Voilà, ça c'est des bêtises. Putain. Ouh. Wow. Mais comme ça, je vais brûler mes cheveux. Mais ça va pas. Je vais brûler mes cheveux comme ça. Celui-là, j'ai peur. J'ai trop peur de me brûler. Il faut savoir que mes cheveux, ils ont poussé en un an et demi. J'ai décidé de les laisser pousser pendant l'été 2018. Et avant ça, je faisais énormément de teintures. Je les coupais. En fait, je faisais tout. J'avais énormément niqué mes cheveux. Et quand je vois l'évolution, je suis énormément choquée. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, j'ai une teinture dorée et c'était ma première teinture que j'avais faite.
Par la suite, je n'ai fait que d'enchaîner des teintures sur teintures. Je suis passée à la teinture dorée, à teinture rouge, puis teinture blanc platine, etc. etc. Et jusqu'à le jour où j'ai décidé d'arrêter de faire des teintures et de me consacrer sur mes cheveux et d'arrêter de les couper. C'est pour ça, après, je les ai laissés pousser. Aujourd'hui, la seule chose que je peux dire, c'est de prendre soin de ses cheveux. Et ceux qui croient qu'ils n'ont pas de cheveux, faut juste en prendre soin et vous allez voir comment ça va pousser rapidement. Et franchement, c'était mon cas, ça a poussé rapidement. Je suis encore sur le choc. Et voilà. Voilà, là j'ai presque fini de lisser mes cheveux et voilà le rendu déjà. Je vais essayer de me faire une coupe, je vais essayer de faire un carré. Et je vais tracer un trait pour que ça fasse plus beau. Je vais tracer ma raie là où je la veux. Je la veux sur le côté, donc je vais la tracer. Avec la lumière du jour, c'est trop tard. Là, vous voyez si j'ai des démarcations ou pas. C'est mon teint, il est parfait là, vraiment quoi. Maintenant que j'ai fait ma raie, je vais essayer de faire un carré. Thank you.
les gars, il manque juste à faire des baby hairs et puis c'est carré. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Personnellement, moi, ça m'a plu. J'aime beaucoup la coupe. Même si je me suis beaucoup brûlée, c'est pas grave. J'aime la finition. J'aime la fin de ce listage. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous a plu et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Je vous réserve plein de choses. J'espère que ça va vous plaire.